Hey, salut tout le monde Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit déboîtage, unboxing de a Thunderstone euh, Thunderstone, donc, introuvable en, en neuf, hein, c'est un jeu qui date de 2009, euh, un jeu de construction de deck fantasy, donc construction de deck building. Euh, donc, c'est un ami qui l'a acheté l'occasion, qui m'a gentiment prêté pour que je puisse essayer. Donc, la boîte a un petit peu souffert par le temps, hein, 2009, rendez-vous compte, un petit peu. Euh, donc, on est au... au je vais Prélude des deck building, mais c'est les potes dominions, quoi. En fait, hein. donc c'est Edge qui a sorti ça. Il euh, y a un mode, donc c'est du, du pseudo coopératif, on va dire. C'est à dire que nous avons un, une, un donjon adverse, un donjon ennemi euh, rempli de, de mobs à, euh, à aller parcourir juste pour jusqu'à récupérer la Thunderstone qui est ici. Et grosso modo, celui qui a le plus de points à la fin de la partie il remporte la victoire. Donc, on est plusieurs joueurs à repenter ce donjon. On va tuer des monstres, les récupérer dans notre main. Ils vont nous permettre, ces monstres vont nous permettre de, de grossir notre main, d'acheter plus de cartes. Et Ils ont également un coup de, de point de victoire. Et donc, celui qui a à la fin, bah, qui a récupéré Thunderstone, il récupère genre, 3 points de victoire. Et, bah, et les autres, bah, euh, enfin, 3 points de victoire, plus le nombre de cartes, le point de victoire des cartes qu'il a récupérées durant la partie. Et à la fin de la partie, celui qui gagne, ben celui qui a le plus de points. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du semi coopératif, dans le sens où on est plusieurs à aller taper sur les monstres. Et dans euh, le sens où la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte d'occasion, le jeu, jeu d'occasion qui lance son jus. On va voir un petit peu ce qu'on a dans cette boîte. On a une belle petite notice, belle notice euh, avec un petit récap à la fin ici. Alors Thunderstone. Euh, on a, on, a, on a ça date de quand Est-ce que j'ai le, le, la date là-dessus là, 2012. Il y a 2012 inscrit sur le livre ici. Donc j'ai eu 2009, mais c'est peut-être 2012. Euh, bon, le jeu de son 9 est introuvable de toute façon. Je crois qu'on peut encore arriver à trouver quelques extensions euh, de ce jeu. Euh, on a du coup le principe, euh, la mise en place des différents exemples. Donc le jeu... Euh, se passer en trois phases, soit on va visiter le village pour acheter des cartes, soit on entre dans le donjon pour taber les monstres, soit on peut se reposer pour défausser les cartes de notre main. Voilà. Les cartes, on verra un peu comment elles sont composées au fur et à mesure de la découverte de la boîte. Une carte de village, une carte de héros, une carte de monstre. Euh, tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, nos, nos héros doivent s'équiper pour aller dans le donjon. C'est qu'on a des cartes d'armes, des cartes, il bah, y a comme l'épée de feu qui est ici, par exemple, qui est une épée. et ben bah, on peut pas y aller tout Seul avec juste l'épée, il faut qu'on ait un héros, faut qu'on ait un héros et faut que ce héros puisse porter l'épée. Pour porter l'épée, notre héros il a une force et l'arme elle a un poids. Tant que la force du héros n'est pas au moins égale à la force au poids de l'arme, il ne peut pas la porter. Donc, à nous de faire en sorte de booster euh, nos héros de façon à ce qu'ils puissent porter des armes, sachant qu'un héros ne peut porter qu'une seule arme. Après, nous avons des atta les attaques magiques, etc. etc. Nous avons des combats, donc il y a un ordre très, très précis à respecter dans, dans les actions, parce que des cartes peuvent être détruites par des événements de jeu. Il y a également un truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la lumière et la ténèbre. La lumière et la ténèbre, c'est-à-dire que euh, les monstres, je vous montre cette, cette illustration, nous avons trois monstres qui sont visibles, euh, avec la pioche qui sera par ici. Celui-là est proche de l'entrée, celui-là un peu moins proche, et celui-là est carrément éloigné de l'entrée. Donc celui qui est proche de l'entrée, il a une lumière on va dire à moins 1, moins 2 et moins 3 pour le dernier, et bien du coup, on nous joue avec ces malus, parce que du coup, ce résultat-là va être soustrait de notre puissance d'attaque. Exactement, c'est ce malus de lumière x2 qui va être soustrait de notre puissance d'attaque. Donc si on tape un monstre qui, au début, qui a un malus de moins 1, et qu'on n'a rien pour annuler ce malus, eh bien, on va avoir un malus de moins 2. Voilà, pareil pour celui qui est à côté. Si celui à côté est à une lumière de moins 2, si on a rien pour annuler ce malus de lumière, on va avoir un malus de moins 2 fois 2, moins 4, et du coup moins 6 pour le dernier. Voilà, et nous avons plein de cartes pour annuler ça, des cartes qu'on va, on va regarder un peu ce qu'il y a comme carte juste après. Moi pour l'instant, j'ai lu que la notice, hein. j'ai vu une, une vidéo de, de vidéo règles dessus et lu la notice. Voilà. Tout l'intérêt de ce jeu, c'est que également, euh, nous avons donc des cartes d'XP pour faire monter en XP nos, nos, nos personnages, des cartes maladies qui nous font des malus. Mais nous avons également des, euh, une, une variante solo, donc, que je vais tester dans les, dans les vidéos que vous allez voir juste après. Euh, mais nous avons également une un notion de marché, euh, marché, ben, marché aléatoire finalement. Un peu comme Eons End. Je pense que Eons End s'est peut-être inspiré de ça. Hein. Nous allons avoir des donjons euh, aléatoires, parce que nous avons différents types d'ennemis que nous allons pouvoir rencontrer. Nous allons en piocher des euh, préparation. Euh, je ne sais plus combien on en pioche exactement. Euh, je ne sais plus si on en pioche 3 ou 4. Enfin bref, on va piocher des différents types de monstres pour créer un, une, un spawn de monstres. Et nous allons piocher euh, donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes de marché dans tout le paquet, dans toute la boîte, euh, pour générer un marché aléatoire. Et pareil pour les héros, nous avons 4 types de héros euh, parmi, euh, parmi bah, tous ceux qui sont dans la boîte, on va en choisir que 4. Donc on a une, une assez grande rajouabilité dans le sens où le marché. Les héros et les monstres ne seront jamais les mêmes. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a plu dans, dans, dans ce dans Thunderstone. Je pense qu'il n'y a plus à mon ami. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, du coup, la boîte a un petit peu vieilli. Donc, on va voir qu ce qu'on a dans cette boîte-là. Donc, là, nous avons quoi Nous avons ici, je crois que. Bon, ça, c'est les cartes de séparateur avec la Thunderstone qui sont ici. Donc, il devait y avoir quelque chose ici, mais ça a dû être rangé de manière différente. On va regarder un peu ce qu'on a d'abord là, dans ce premier paquet ici. allons avons quoi c'est là où nous avons les monstres. Alors, je vais essayer de, de vous trouver les, les cartes de. Ah, voilà, les cartes aléatoires des monstres. Les voilà. Dans les différents types de monstres. Donc, nous pouvons combattre des dragons. Donc, c'est les cartes de préparation, ce qu'il appelle les cartes de préparation, les cartes de marché. Les dragons, il y a du reflet. J'essaie de dégager ce reflet-là. Les dragons, nous avons les morts-vivants maudits. Les créatures abyssales, les, les, les créatures sont, 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 les, les, sont très jolies. Les morts vivants de type esprit, des humanoïdes, donc des gros orques, des, hop, des créatures enchantées, donc là on a le pégase, du visqueux, donc une espèce de slime, là ils ont dit Venum, une espèce de, voilà, de. de slime pas très joli. Est-ce que j'ai pas mon flash Ah, j'ai mon flash qui marche ça ou ça Ah, c'est mieux, j'avais mon flash qui marchait voilà. Et euh, des chevaliers maudits en humanoïde, donc des chevaliers maudits. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types de monstres, dans lesquels nous allons choisir 3 euh, quand on va créer notre, euh, notre donjon. Regardez, par exemple, parmi les mauvais en esprit, nous avons des apparitions. Alors là, on va regarder un peu ce qu'ils font différents, euh, ce qu'ils ont comme, euh, comme caractéristiques. Ici, c'est l'en de points de vie, donc il faudra faire une attaque au moins de 4 pour le tuer. Ça, c'est le nombre de pièces d'or qui va nous rapporter dans la phase village lorsque l'on va euh, bah, la prendre avec nous et la jouer ici c'est le nombre euh, d'XP qui nous rapporte quand on le tue, là c'est le nombre de points de victoire que ça rapporte à la fin de la partie et là c'est un, une capacité que l'esprit a en combat un héros ne peut pas attaquer quand on va le, quand on va envoyer des héros attaquer cette, 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 cette apparition et ça nous dit qu'un héros, un héros ne peut pas attaquer donc euh, si on a prévu notre attaque pour avoir juste le nombre de 4 hein, qu'un héros ne peut pas attaquer, on est embêté parce qu'on ne veut pas pour le tuer voilà, nous avons différents aspects. encore une apparition, disons, un fantôme, avec des notions de demi-attaque, sans la présence d'attaque magique, donc ça doit diviser ton attaque par deux très sûrement. En combat, tous les héros surissent une force de moins 2. Je vous rappelle que la force c'est ce qui permet de porter une arme. Si on n'a plus de force, on ne peut plus porter d'arme, donc on va se retrouver avec... <laughs> on va retrouver à poil devant le fantôme. Euh, nous avons un ectoplasme. qui va détruire une milice en combat. Un revenant. Donc il fait plein de choses. Attaque magique requise pour le tuer. Si tu n'as pas d'attaque magique, tu ne peux pas aller le taper. Tous les héros ayant une force de 0 ou moins sont détruits. Donc attention également. Le revenant. Et enfin, le spectre. Qui... Deux spectres. Ouais, détruire les mites. Donc ça, ce sont les apparitions. Donc on a des cartes. Enfin, les cartes sont vraiment très jolies. Là, nous avons quoi Les créatures enchantées. Nous avons le griffon. Le chien de la nuit. Pégase. Encore un chien de la nuit. On doit y avoir deux de, ta... deux de chaque type. Hein. Nixie, une sorte de fée. Qui, euh, qui n'a pas de caractéristiques, mais c'est assez, assez monstre de base, on va dire. Encore un griffon, le Pégase, le Nixie, le Sphinx, qui rapporte du butin quand on le tue. Et un petit symbole, je ne sais, sais plus ce que ça voulait dire, ça, c'est un, un trophée. Attaque magique plus 2. Donc quand on la joue, hop, on gagne ça également. Quand on, quand on joue cette carte, ça peut nous aider à, à combattre les monstres, ça nous, a, ça nous apporte des petits, des petits bonus. Là, nous avons le euh, mort maudit, donc royaume. Donc, le nom du, le nom du, du, du méchant s'appelle royaume. On gagne une maladie quand on le combat. On détruit un sort. Lui, quand on le combat, il va nous détru on détruire un de nos sorts, l'oracle. Ce qui n'est pas cool. Famine nous fait gagner une maladie. Détruire un sort pour l'oracle. Gagner une maladie. Alors, euh, gagner une maladie. Gagner deux maladies, c'est l'heure de la mort. Les morts maudits sont pas cool. Les maladies, ça nous fait du moins un sur notre. Euh, ça nous pollue notre main. Et ça nous fait du moins un quand on va attaquer. Souffrance. Les, 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 les cartes sont vraiment sympathiques. Là nous avons quoi Nous avons les dragons. Les dragons, ils ont une grosse force. Les dragons, c'est des espèces de créatures. Là, il faut beaucoup de force pour les tuer. C'est un dragon, c'est pas jouer les rouleaux. quoi. Alors une notion de brèche, chaque joueur doit défausser des cartes. La brèche va se déclencher lorsque le, dragon, le, le, le monstre va arriver au, au rang 1. Donc à savoir prêt à sortir de son donjon. Et là, ça se déclenche. Donc pas cool. Par contre, quand tu arrives à le buter, lui, bah, il te fait une attaque magique plus 2 avec toi. Encore un autre dragon. Exhalaison des bonnes. Un dragon noir qui mise aux attaques magiques. Donc déjà, tu ne peux pas y aller avec une attaque magique. Scaladac. Mitlurian. L'Éternel. Uiril. Donc, des, des dragons, ma foi, les dragons, j'ai un peu l'impression que c'est un peu les créatures ultimes du jeu, et que si jamais tu n'as pas de chance sur ton carte tout truc à l'attention sur le dragon, tu un petit peu embêté. Les humanoïdes, donc, donc des cyclopes, nous avons des gobelins de grignac, euh, un lézard à peau grise, une espèce de, oui, de tête de Venom lui aussi, un troll aux ossements, et un, or, un orc de crâne de sang. Ensuite, dans les maudits chevaliers maudits de type humanoïde, jugement, le prince, espèce de vampire, détruit un guerrier lorsqu'on le combat. Automatiquement, il va nous détruire un guerrier, par exemple. Le cauchemar aussi. Quand on va le combattre, automatiquement, il va nous détruire un guerrier. Les héros non équipés peuvent pas attaquer. Je vous montrerai les héros tout à l'heure quand je les pioche dans la, dans la boîte, mais vous comprendrez ce que ça va dire. détruire un guerrier. Là, ils ont des malus de lumière aussi. Quand ils attaquent, j'ai parlé de la lumière tout à l'heure. Quand Tu les attaques, et ben, du coup, eux ils ont également un malus de lumière en plus de leur position dans le, dans le donjon. Les visqueux, qu'est-ce que c'est? espèces de blob de slime, ça détruit la nourriture, ça détruit une arme, le gelé rouge, la tache verte, la vase grise, détruis un héros sauf si est une arme attachée au groupe. Alors qu'attention, par contre, tu donne de la nourriture en butin, une crasse, une bave, voilà, différentes, différentes créatures, ma foi. T'as pas envie de croiser, mais tu vas comme croiser. Et là, nous avons quoi Nous avons les abyssales. Alors, l'espèce de démon, le libéré, là. Gagner une maladie, par contre, quand on le joue avec nous, il nous permet d'avoir puissance en attaque magique. Un autre, un, un autre, un autre, un, un autre abyssal, le tourmenteur, qui détruit un clair lorsqu'on le combat. La succube. Alors, quand on détruit une carte, je ne sais pas trop. Il faut que je lise la règle vraiment de manière approfondie pour savoir quand est-ce que ça se déclenche, en fait. Détruisez tous les clairs, oh là là, l'archiduc de la douleur, détruisez tous les clairs et les sorciers. Donc si jamais tu vas le combattre avec des clairs et des sorciers, et ça ça déclenche à la fin du combat, je crois. Et tous enfin, tout les clairs et tes sorciers sont détruits. Donc tu as réussi à détruire cette carte-là, éventuellement. Mais en contrepartie, ça détruit tous toutes tes, tes clairs et tes sorciers. Donc là, ça c'est ça, c'était le tas de cartes monstres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va Pour combattre les monstres, il va nous falloir des héros. Et voilà, les fameux héros. Ah, j'ai oublié un séparateur ici, j'ai l'impression. Je mets là. Les héros, quels sont-ils Les héros, ils sont de différents types. Il y en a. Euh... Non, ça, c'est un héros. C'est pas, pas un. c'est un clair. Moi, je. Tiens. Après, ouais, forcément, c'est peut-être peut mal mélangé celui dans la boîte. C'est une boîte d'occasion. Peut-être que le, le. Ah, voilà, le random est ici. Donc, on peut avoir des étrangers. Un étranger. Des féaïnes, des espèces d'elfes, j'ai l'impression, elfe noir, peut-être. Tyrion, on va dire ces différentes races de, de ce monde-là Région, ça doit être un clerc, Lorig, une espèce de, de voleur, un nain, une lame rouge, plus orientée assassin, Calice, qui a l'air une sorte de paladin peut-être, une Amazone, une archère, un elfe, et enfin un Sélurin. Donc euh, voilà, on a différentes races. Et parmi, donc, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. D'accord. Et parmi ces races, du coup, on va voir un peu à quoi correspond tout ça. Donc là, nous avons par exemple l'écuyer Tyrian. Donc l'écuyer Tyrian, en fait, il y a différents personnages. t'en a quatre, cinq, six de niveau 1. Un, deux, trois, quatre de niveau 2. Et 3 de niveau 3. C'est que ton personnage, en fait, quand tu vas l'acheter au départ, tu vas commencer par acheter ce niveau 1. Et puis après, quand tu vas les monter en XP, tu vas prendre un niveau 2. Et ton niveau 2, quand tu vas monter en XP, tu vas prendre un niveau 3. Sachant qu'ils ont plus de puissance les uns que les autres. Là, le niveau 1 il a une force de 6, donc il peut porter une arme qui va jusqu'à 6. En attaque. Quand il attaque, il fait plus de l'attaque. On peut détruire une nourriture en notre main pour avoir plus d'un attaque. Ça, c'est celui niveau 1. Suite niveau 2, qu'est-ce qu'il fait il a donc lui plus, directement plus 4 en attaque. Toutes les milices gagnent plus en attaque. Donc il va booster les, les milices. C'est les cartes de base. Et après, détruisez une nourriture pour avoir plus en attaque supplémentaire. Donc déjà, déjà plus puissant au niveau 2. Et arrive au niveau 3. Plus 4 en attaque. Tous les héros sauf les guerriers gagnent plus 2. Donc euh, il ne peut pas se booster lui-même. Même si tu as plusieurs guerriers. Et en donjon, on détruit une nourriture pour placer un monstre du hall valant 1 ou 2 points de victoire dans votre pile de défausse. Donc on complète le hall. Ça, automatiquement, lui, sa capacité va nous permettre d'aller choper un, un monstre de la pile du donjon. Ça, c'est plutôt simple. Nous avons les voleurs. voleurs voilà, de ben, ce c'est des voleurs, simplement. Donc, eux, on voit qu'ils ont un peu de lumière. Quand ils vont attaquer, ils vont pas venir à poil. Ils vont avoir un peu de lumière pour combattre les monstres. Pas besoin de s'équiper d'une torche, par exemple, ou de, de, de n'importe quel objet qui, qui génère de la lumière. Il va me, de, me donner deux quand je sors en face de village pour faire des achats. Il a une force de quatre pour porter des objets. Et ça, c'est l'XP. Il a besoin de XP pour passer au niveau super. Oups là. Pour passer au niveau euh, supérieur, l'XP on la gagne hein, tout à l'heure quand j'ai montré avec les cartes monstres. Euh, Celle-ci là, du coup, bah, elle a plus d'en attaque. Tous les autres joueurs, des fois, c'est une carte quand ils dans un donjon. Donc, tu vas aller embêter les autres joueurs, du coup, euh, bah, pour, euh, pour les empêcher d'aller euh, vaincre des, euh, des, des monstres, parce que c'est quand même une course. Hein. Et euh, niveau 3, valeur 2, quelle est la différence entre les deux euh... Attaque 2. Oui, il peut porter, il rapporte plus d'argent et il porte plus d'armes. Toujours défaut sur une carte. Donc, ça, ce sont les voleurs. Ah, attends, je les mets dans le bon sens, mes trucs. Hop, hop voilà. Hop. Ensuite, nous avons qui comme bestiole Nous avons qui comme héros Nous avons les archers Amazon attaque plus 2, supplémentaire en terre, au rang 2 et 3, donc elle attaque à 1, et si elle va taper un monstre au rang 2 ou en rang 3, elle ben là, plus 2 ou plus 3, euh, plus 1, 2, plus 2 de puissance, donc ça ça, ça c'est plutôt sympathique, là elle gagne plus 3 quand elle est au niveau 2, et quand elle est au niveau 3 elle gagne plus 4, donc on a une grosse, une bonne grosse guerrière là, qui frappe à distance, ma foi, c'est assez sympathique tout ça Qu'avons-nous d'autre comme personnage Nous avons le tueur lame un guerrier voleur. Donc, important les mots-clés, parce que tout à on nous parlait de guerrier hein, sur le, le premier personnage. Pareil, il le guerrier. Donc, le, le tueur lame rouge est boosté par ce personnage-là. Euh, niveau 2, attaque 3. Toujours, on une carte, c'est la capacité voleur, ça du coup, je présume. Et au niveau 3, attaque 4. Voilà. Alors, les, les dessins ne sont pas forcément différents d'une carte à l'autre, ce qui est un petit peu dommage. Ah, si, il y a le juste ça qui est différent, le, la petite boussole ici, là, est bronze, argent, et je pense qu'on est en or lorsqu'on est niveau 3. Ouais, c'est ça, on est en or lorsqu'on est niveau 3. Donc on a quand même pas mal de, pas mal de cartes. Le clair réguliant, qui est ici. Une maladie pour pêcher une carte, c'est plutôt pas mal. Répéter quand on est en face de donjon, répéter, tu peux répéter la, la truc autant de fois que tu veux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que je vais vous montrer Là, nous avons le sorcier, le magicien, le cellulaire qui attaque à plus 2, et tous les objets et les sorts attaque magique gagnent plus 1 en attaque magique. Donc il va booster les objets et les sorts attaque magique. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir ça, un gros buff de, gros buff de masse, hein, tout simplement. Là nous avons quoi Nous avons les archers, donc euh, ne peut pas attaquer le rang 1, un peu comme les amazones, sauf que les amazones peuvent attaquer le rang 1, par contre il attaque plus 2, donc il ne peut pas attaquer ce qui est en rang 1. Voyons oui, voir un peu ce qu'il peut faire quand il est au rang 3, par exemple. Il peut toujours pas attaquer le rang Par contre, il a plus 4 en attaque. Il gagne plus 1 si on bat un monstre de rang 3. Et il fait 2 lumières. Donc ça lui permet, effectivement, d'aller frapper ce qu'il y a derrière sans trop de problème. Même si derrière, c'est moins 3. La dernière, le dernier rang, c'est moins 3 de, de, de malus de lumière. Lui, il offre un petit bonus de plus 2 grâce à sa petite, euh, sa petite symbole qui était comme ça, de, de l'ampiote ici. Donc ça lui permet euh, bah d'avoir besoin de moins d'équipement pour aller frapper ce qu'il y a au fond du donjon. Les mages elfes, bon bah alors lui c'est de l'attaque la, magique, il hein, n'y a pas de tentil On peut renvoyer un monstre sous le paquet après avoir battu un monstre. Et compléter le haut. C'est qu'on bat un monstre et on met un monstre sous le paquet. D'accord. Donc si il y a un monstre qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir battre, par exemple, lui, peut nous permettre de le renvoyer sous le paquet des monstres, de façon à être tranquille et de ne pas le voir revenir. Les janissernins, c'est une espèce de paladin ou de clair, le cernin attaque plus 2. De... Attaque plus 4 quantité qui équipé d'un tranchant, donc un espèce de donce, un guerrier tout simplement. Au niveau 3, qu'est-ce qu'il nous fait Johnny Cernan Un niveau 3. Euh, niveau 2. J'ai pas de niveau 3, niveau 3. Attaque plus 5. D'ailleurs, je pense qu'il y a un niveau 2. Je vois, ah oui, c'était un peu mélangé bizarrement. Là. Mais c'est pas grave. Quand je, joue, oula, quand je joue avec les nains, de toute façon... Il faudra mettre les paquets dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme arme Nous avons quoi le, le fameux, comme héros, le guerrier, guerroyeur étranger. Plus 3 en attaque, il a 7 de force au niveau 1, c'est balèze. Détruit une nourriture pour avoir 3 attaques supplémentaires. Donc, si on détruit une nourriture, il, a, il peut taper à plus 6. Qu'est-ce qu'il fait quand il est niveau 3, lui 7 en attaque, gagner plus 2 pour chaque monstre dévoilé dans votre main. Donc, ça c'est intéressant, parce que plus tu vas taper de monstres avec lui dans le donjon, plus il va être puissant. Parce que plus tu auras de cartes monstres dans ta main. Et enfin, nous avons euh, le Quêteur Calis, Quêteur, Quêteur une espèce de paladin qui va piocher une carte, de, de détruire une maladie de votre main pour piocher une carte, voilà, qui nous permet de nous soigner, entre guillemets, des différentes maladies qu'on peut récupérer. Il a différents effets qui ont parfois fort sympathique, mais ça, on découvrira ça, on découvrira ça pendant euh, la partie. Voilà, donc ça c'était pour les... Euh, ça, c'était pour les, les héros qui vont nous accompagner durant, euh, bah, durant notre aventure. Et je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi au niveau des cartes. Hop. Euh... hop. Et hop. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, il y a quand même intérêt de les garder séparés, les cartes, hein, si tu veux pas. Voilà. Donc, là, je mets un séparateur ici. Je ne sais pas pourquoi ça, ça s'est défait. Je vais le mettre celui-là derrière. Oh. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a, a Plein de cartes, on a que de ça des cartes. On a la fameuse Thunderstone ici, la carte à récupérer pour arrêter la partie. Dès qu'elle arrive dans la main de quelqu'un, la partie s'arrête elle apporte 3 points de victoire. Qu'est-ce qu'on en a, a Des aides de jeu, donc ici, bon, ça c'est pas très, très intéressant. Ah là, c'est les cartes de base, je présume. Donc là, on a les fameuses cartes maladie carte maladie, hein, tout simplement, quand tu l'as avec toi, ben, ça fait moins en attaque, hein, tu n'as pas le choix, tu prends moins en attaque, point barre. Là, c'est les fameuses cartes d'XP, hein, qui te permettent, lorsque tu tues mon tu gagnes des cartes d'XP, et ça te permet, euh, ça te permet, du coup, de booster tes personnages, euh, de les monter en niveau, et de les, euh, de les monter en niveau, et, euh, mince, et de les faire évoluer, pardon, voilà. Donc ça, ce sont les cartes xp donc je crois qu'on ne peut monter de niveau que lorsqu'on fait une phase de village et qu'on fait une phase d'achat. Là, on a les milices, donc ce sont les cartes de base avec lesquelles on parle, avec lesquelles notre deck est construit, euh, ce sont les milices qui font plus 1 de puissance en attaque. Donc c'est un héros. Par contre, tu peux payer 3 d'XP pour transformer la milice en n'importe quel héros du marché. Je rappelle qu'au départ, on va avoir 4, et 4 pioches, 4 piles de héros. Et on va pouvoir bah, s'en servir pour booster nos... Notre milice, c'est que ça devienne sans avoir besoin de les acheter avec des sous, avec de l'XP, on peut transformer une milice en, en héros. Une torche, ça c'est les fameuses torches dont je parlais tout à l'heure, hein, qui nous rapporte un de lumière, c'est un objet de type lumière, un de lumière. Donc là, ça c'est le coût que ça nous rapporte quand on la joue. Par contre, le petit chiffre qui est ici, c'est le coût d'achat de la carte. Donc la lumière va nous permettre d'aller frapper des ennemis de plus en plus loin. Nous avons également en arme par défaut une dague, une gaine de tranchant, plus ça en attaque, avec un poids de 2. Voilà, ça, ce petit ça, symbole-là indique que c'est des cartes de base, des cartes starter. Et nous avons les rations de fer qui sont ici, de la nourriture qui permet de booster la force d'un héros. La milice, on a vu tout à l'heure qu'elle avait une force de zéro, Donc ben, au départ, ben, si tu veux mettre, pouvoir mettre une dague sur ta milice, il faut que tu claques une ration de fer pour pouvoir mettre une dague sur ta milice et que ta milice puisse partir au combat de manière plutôt efficace. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà pour ça. Donc ça, ce sont les cartes de base. Euh, qui vont nous permettre eh bien, de, de créer notre marché euh, enfin notre main de départ en tout cas de notre deck. et on va arriver dans le cœur du jeu maintenant ce qui est quand même beaucoup plus intéressant à savoir les cartes de sort. Donc, nous avons différentes cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vous les montrer peut-être pas à ce niveau-là. Je vais vous les montrer au fur et à mesure que je vais les, je vais les piocher. Parce que, du coup, elles, elles font toutes la même chose. Contrairement aux héros euh, qui avaient des évolutions, là, les cartes elles font toutes la même chose. Donc, euh, je ne vais pas vous présenter et, le, et les cartes de préparation et les cartes finales. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, nous avons quoi Nous avons le. Euh, nous avons. Ça, c'est quoi L'épée courte il faut 4 de force pour la porter, ça se trouve dans le village, une épée courte, plus 4 en attaque. Voilà, du simple, de l'efficace, plus 4 en attaque, c'est très bien. Nous avons quoi d'autre Le marteau de guerre, une arme contondante, plus 3 en attaque, et l'éclair gagne une attaque de plus 3 contre les chevaliers maudits et les morts vivants. Donc là, effectivement, si tu as la chance de tirer le marteau de guerre en même temps que tu tires d'éclair et en même temps que tu tires chevalier mort-vivant <laughs> dans ta partie, eh bien cette arme-là, du coup, devient très très puissante. Mais bon, il faut arriver à tout tirer d'un coup. Il faut que les astres soient alignés, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça reste du marché aléatoire. Une hachette, arme tranchante, plus 3 en attaque, classique. Donc je passe un peu sur les différents éléments des cartes, parce que je, je pense que j'y reviendrai lorsque je, lorsque je ferai la partie. Une lance. On peut la détruire pour gagner plus 3. Quand on la détruit en donjon, on la détruit. Mais du coup, effectivement, ça peut en faire 2. Et si on la détruit, ça fait plus 3. Donc on est à plus 5. Mais on est obligé de détruire cette carte-là. en ce moment, tu la lances, en fait, là, tu lances la lance hein, sur ton ennemi. Et du coup, bah, il en meurt. Les bonnes baies, les bonnes baies, ça fait quoi C'est de la nourriture magique. Un héros gagne plus 3 en force son attaque devient une attaque magique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Que notre attaque devient une attaque magique. Le garde de la ville en village, il peut piocher deux cartes, et on peut détruire cette carte pour piocher trois cartes supplémentaires. Donc booster notre main, par exemple. Mais uniquement en phase de village. Donc quand tu es en phase de village, ça te permet de piocher encore plus de cartes. Parce que toi, c'est une carte qui coûte 3 à l'achat, mais qui ne rapporte pas d'or. Donc quand tu es en phase de village, donc la phase de village, c'est la phase où tu vas acheter des objets. Ça te permet de, bah, de piocher des cartes intéressantes. Le poteur sur gage, qu'est-ce qu'il fait lui On détruit une carte ayant une valeur d'or pour gagner sa valeur en, en or plus 3. Et on détruit cette carte pour gagner plus en or. D'accord. Donc si on peut détruire une carte de notre main pour gagner, ben par exemple là, lui s'il vaut 0, ça permet d'acheter de gagner 3 en or. Et si on la détruit aussi, on gagne également 2 en or. Donc on peut gagner 5 en or. Enfin, au moins 2 en or avec cette carte-là, mais en détruisant notre carte, on peut gagner jusqu'à ben, beaucoup en or, tout simplement, en fonction de la valeur de la carte qu'on a détruit. C'est plutôt pas mal, c'est aussi un moyen de dépurer notre deck. Là. L'arme d'Ast, elle est pas mal celle-là, l'arme, c'est une arme tranchante. Euh, poids de 2, pas beaucoup, intéressant. Attaque 2, ou 600 si attaque, si elle est portée par un héros de force 8 ou plus. Donc plus ton héros va être, va être costaud, plus ça, ça va être puissant. Donc par défaut c'est 2, mais effectivement, si je mets ton héros t'arrive à le monter à une force de 8 ou plus, là, l'arme la, d'As va faire euh, 6 de dégâts. Enfin, plus 6 de dégâts. Le formateur, on détruit une milice pour gagner 2 XP, on détruit cette carte pour gagner 2 en or. C'est assez simple. Hein on verra ça au fur et à mesure des événements de jeu quand ça va nous tomber sur le coin du nez. Là nous avons un sort bannir, on renvoie un monstre sous le paquet et compléter le hall, ou on réorganise le hall, on détruit une carte de la main et on pioche une carte. Là, ça fait plein de choses ce sort. Donc on peut dégager un monstre du hall, le mettre sous le paquet, compléter le hall, ou réorganiser le hall. Donc le ou s'affecte à quoi ça fait que le « ou », c'est renvoyer un monstre sur le paquet, on réorganise le hall, d'accord. Donc on renvoie un monstre et on de le hall, ou alors on réorganise le hall. On peut utiliser cette carte également pour piocher. Donc ça c'est un piocheur, par contre ça nous oblige à la détruire. Ce qui est, euh, ouais, est-ce que du coup ça vaut le coup d'acheter cette carte-là Si juste pour la détruire, ça ne peut pas être pioché, je ne sais pas trop. Un autre sort, la fureur de combat. Un héros gagne plus en attaque. Un sort classique, basique, j'ai envie de dire, hein, le boost de puissance, hein, tout simplement. Nous avons ici le tavernier qui est un villageois. Au village, lui, on peut acheter une carte supplémentaire ce et on détruit cette carte pour gagner de l'or. Ah, important cette notion. Parce qu'effectivement, contrairement aux autres jeux de deck building euh, auxquels j'ai pu jouer, euh, quand tu as de la monnaie, tu peux acheter X cartes. Dans jeu-là tu achètes une carte. Donc même si tu as 37 en or, tu ben achètes une carte. Voilà. Et, et donc le tavernier permet d'en acheter une deuxième. Euh, le donjon, ça c'est le sort, énergie des arcanes, toutes les attaques des armes, des héros équipés d'armes deviennent des attaques magiques. Ils ont tout pioché une carte. Vous savez que tu attaques avec des armes magiques en fait. Ça c'est sympa. Un objet de lumière, nous avons une lanterne. Quand on a un jeu de tout à l'heure, il une lumière qui nous fait une, une lanterne qui fait deux lumières et plus un. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, autant on, peut, on ne peut équiper qu'une seule arme à un héros. Autant on peut équiper euh, plus, euh, plusieurs objets à un héros. Le festin, hein, c'est la nourriture, tous les héros gagnent plus 3 en force et plus en attaque. Ça c'est pas mal ça. Donc, je crois que je dis ça à chaque carte, ça c'est mal ça, mais effectivement, des effets qui sont très sympathiques. Euh, nous avons enfin le, la gêne de lumière, qui est un objet qui offre bah, de la lumière, comme ça en indique. ça va être tout ce qu'elle fait, mais elle fait quand même 3 de lumière. Donc une belle source de lumière pour les faire casser la tête aux monstres qui sont à l'arrière. Laura magique, toutes les armes ont un poids de 0 et piocher une carte. Donc ça veut dire que bah, toutes les armes euh, du coup, peuvent être portées par n'importe qui. Et nous avons à la fin un beau paquet de. Ah non, c'est boule de feu. Là nous avons les boules de feu à la fin. Le boule de feu, attaque magique plus 3. Donc là, ce n'est pas un objet, donc on peut partir à l'attaque du donjon avec, avec un grand coup de boule de feu, ça passe. Et enfin, nous avons l'épée de feu que j'ai montré tout à l'heure dans le bouquin. Hein, une arme tranchante, il faut un poids 5 pour la portée. Ça fait de la lumière. Et en plus, c'est un attaque magique de plus 3. Donc, nous avons moultes et moultes euh, objets à notre disposition pour venir à bout euh, des monstres du donjon et leur fracasser la toté. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. C'est pas mal déjà. Pas mal. Alors, du coup. Avoir voir un peu ce que donne le mode solo euh, de ce jeu. Euh, bon, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur du mode solo, dans le sens où, euh, en 2009, en 2012, enfin, en tout cas, il y a 10 années, les variantes solo n'étaient pas forcément aussi euh, présentes euh, que maintenant, et peut-être aussi adaptées que maintenant. Donc, il y a un mode solo qui est présent sur le site de Edge. Euh, donc bon, Du coup, si Edge est enfermé par rapport à ça, euh, tu le trouves sur BGG. Donc, je vais l'imprimer. Euh, J'expliquerai ça dans la partie que je vais faire très prochainement sur ce jeu-là. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu cette petite euh, découverte du contenu de la boîte de Thunderstone, ce petit unboxing. Moi ça m'a, ça m'a, ça nous envie d'y jouer, euh, vraiment. Euh, bon après bon c'est un jeu qu'on va prêter donc je le, je le rendrai forcément. Hein. Mais bon, j'ai un peu peur du mode solo. J'ai un, peu un peu peur que le mode solo fasse ploff en fait, tu vois, et que ça soit vraiment un jeu fait pour jouer à plusieurs en confrontation. Euh, et que ben en soit euh, le mode solo soit là pour ben, parce que parce qu'ils ont fait un mode solo parce que ça se jouait peut-être sur le table mais il faut que je regarde ce que ça fait exactement ce mode solo pour me rendre compte vraiment de la pertinence ou pas et du, 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 potentiel, du potentiel fun entre guillemets du, du mode solo voilà moi je vous fais des gros bisous j'espère que ça' vous a plu je vous dis à plus tard salut salut et bye bye